bienvenue à l'émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Tijdens het oogstfeest van Les Ardillas in de Rhône wordt de oude dorsmachine afgestoft en klaargemaakt voor gebruik. Waar de machine vroeger op stoom werkte, wordt ze nu, ja, door een slimme huisgemaakte koppeling, aangedreven door een tractor. Alfred Perrier vertelt. C'est Perrier Alfred, qui est connu du sédentaire du pays, et on a connu ça tout gamin. On a participé au travail, et maintenant, bon, on s'occupe un peu du matériel. Avec mon collègue, malheureusement, qui a eu un accident d'atelier, il ne peut pas être avec moi, mais bon, il m'a appris à faire les connaissances un peu de la batteuse. Je ne suis pas un professionnel, loin de là, mais bon, j'ai quelques connaissances, et on participe avec les communes voisines, qu'on s'entend tous bien. Et la solution de battre le blé, de faire sortir le grain, c'est la batteuse. Alors bon, bah, ça passe dans un batteur. Après, c'est trié par des grilles, des vibreurs. Et après, ça trie la paille, le blé. Et après ça, ben voilà, on a tout compris, quoi. Voilà. La batteuse, elle est dans les années 60. Et après, bon, bah, on s'en sert que pour faire des fêtes, parce que ça a été remplacé par les moissonneuses batteuses, et puis maintenant qui sont encore beaucoup plus performantes qu'à l'époque. Et après ça, bah, je n'ai pas trop grand-chose à dire. C'est simple, elle est simple de calage, il faut bien la mettre de niveau. Et puis en plus, il y a un collègue, là, son petit-fils, il a fait le système de poulie qui est adapté sur le tracteur, qui est très bien monté. Et si vous voulez prendre des photos, je vous expliquerai. Et ça tourne très bien. Il y a encore des jeunes qui ont des idées. Voilà. Et nous, ben, on fait ça tranquillement. Là. Mais il faut être, pour la faire tourner, il faut un gars qui délie les jambes sur la batteuse, les autres qui engrainent gentiment dedans, et puis les gars au grain, quoi, qui récupèrent le grain dans les sacs. Et après, ben, on peut les donner à manger aux animaux, ou à tous les animaux. Voilà. Mais ça fait des jolies fêtes, parce que bon, on est tous bénévoles, et ça attire beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, des jeunes, même des jeunes, qui viennent voir, qui n'ont pas connu ça. Moi, j'ai connu depuis tout gamin, quoi. Alors, on a commencé par délier les gerbes, couper les ficelles ou les fils de fer, suivant ce que c'était, ou les liens. Après, ben, comme moi, ben, j'ai donné les gerbes. Après, j'ai porté le grain quand j'ai pris de la force. Et puis maintenant, ben, on suit un peu la mécanique grâce à mon copain Bertolon, Bernard, qui les a vendus. Il avait vendu une la même aux Ardillas, à la société de battage de Saint-Didier-sur-Beaujeu, et qui est un mécanicien professionnel. Il la connaît beaucoup plus que moi, de A à Z. Et si j'en ai quelques connaissances, c'est grâce à mon ami Bertolon, Bernard. Voilà, qui est bien regretté aujourd'hui parce qu'il a eu un accident et il ne peut pas venir. Voilà. C'est travailler à l'ancienne, on aime ça. Et je vais vous dire, franchement, c'est une fête qui ne coûte pas d'argent et qui en rapporte quand même. Parce que ça fait tourner les buvettes, le casse-croûte à midi qui est servi par le comité du syndicat des chevaux, des Ardillas et puis des alentours. Et là, il y a l'exposition des chevaux en même temps. Et il y a une bonne animation, quoi. Mais il faut aimer, quoi. Voilà. Il faut aimer le travail à l'ancienne. Voilà. Et là-dessus, je n'ai plus guère grand-chose à vous expliquer. Que, si vous voulez, ça attire du monde quand ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que le blé qui arrive, qu'on le voit sur pied, qui est moissonné, il passe dans la batteuse, ça trie paille et grains. Et c'était déjà ingénieux, quoi. Les anciens avaient des idées, ils étaient intelligents. Parce que par rapport aux modernistes d'aujourd'hui, ils ont copié, ils ont amélioré, mais il n'y a pas...
ça a été des inventions des anciens, mais qui datent de... Avant, il y en avait déjà, mais des machines qui étaient sur roue à bandage. C'était plus difficile pour caler, quoi. On appelle ça le calage, c'est la mettre d'aplomb pour que le niveau soit, que le grain soit bien trié, quoi. Voilà. Après ça, je vois pas bien d'autre chose. Vous voyez, là, j'ai pas pensé, là, mais au départ, il n'y avait pas de tracteur, il y avait les chevaux, les bœufs, et la batteuse, elle tournait avec une machine à vapeur. Que nos anciens, comme mon père, tout ça, ils ont bien connu, qui ont même suivi la batteuse, en tant qu'on appelait ça les mécaniciens. Et ils chargeaient la, et les femmes amenaient l'eau, les trois quarts du temps amenaient l'eau pour garnir la chaudière. Et toutes les gerbes sont tractées par les chevaux qu'on va voir sans tarder arriver à la batteuse. Et voilà, là-dessus, je crois que j'ai passé un peu partout.